Eh bien, salut à toutes, vous êtes bien avec Cartman aujourd'hui pour une vidéo sur l'ombre de la guerre. Oui, mais pas comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Non, pas comme d'habitude. Car on va faire la lame de Galadriel. C'est un DLC où on incarne Eltariel dans sa quête pour triompher du Nazgûl. Des Nazgûl, plutôt, dirais-je. Mais ne l'ayant pas fait, je ne peux pas en dire plus. Bon, il y a un temps idiot de chargement pour lancer le DLC. Mais quand tu partiras, je le saurai. Ça va me le dire. Donc, je profite pour un gros big up à tous mes followers sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Vous voir encore un très gros big up à Dark Nation et Lord Bergjuge et son groupe sur Facebook. Ah, les gamers de la Xbox One, GXB Cobra, Choukri et Choublou, enfin c'est pareil. Manu Stark, Shenryu, Mister Boy et tous les autres. On va essayer de démarrer, c'est bon. Bon, je vais le faire en facile, ne connaissant pas encore ce truc. De toute façon, je recommencerai ça peinard. Ou bien, si vous aimez, eh ben, je continuerai ça peinard. Bon, de toute façon, il est temps de commencer. Les présentations ont été faites. Alors, oui, ce sont des nouvelles images. Eh bien, un nouveau personnage. À propos de âge, j'en ai 48 le 14 mai, donc si je suis plus lent qu'un jeune de 18, je suis désolé. Mais je joue depuis mes 10 ans. J'avais 10 ans, 80. J'avais l'Atari 2600, j'ai commencé sur des jeux stupides. Et maintenant, on est sur des RPG. Bon, sympa, MMO, mais c'est un RPG TPS sympathique. Vous avez peut-être connu le premier volet. L'ombre du Mordor. Si vous trouvez sur ma chaîne, on va voir ce DLC ensemble. Vidéo, let's go! Ah bon, non. Dans la régie, il se passe quoi là? J'ai dit let's go. Ah ouais, d'accord, attendre. Ok, let's go! Oui, il aime pas ça. Ah ah! C'était les prix qu'il croyait prendre. Oui, ça c'est sur ma vidéo. C'est une cinématique qui est sur l'histoire originale. Et ça va dévier, c'est sûr. Au royaume des elfes. Oh, madame. J'ai échoué. J'ai suivi Celebrimbor, son anneau au doigt. Nous n'avons pas vaincu Sauron. Sauron et Celebrimbor ne font plus qu'un. L'œil ardent qui surplombe Barad-dûr. C'est vraiment Mais si joli. Vous êtes au Mordor, c'est pour les Nazgûl. Et votre tâche n'est pas terminée. Allez à Minas Morgul. Un Nazgûl se terre là-bas. Vous savez bien de qui je veux parler. Moi. Il est mort. J'ai pris le nouvel anneau et je suis parti. Il porte l'anneau des Isildur. Il appartient à Sauron maintenant. Et il vous revient. Madame, je ne peux pas. Laissez-moi rentrer. Vous porterez le nouvel anneau. Et vous achèverez votre mission.
Alors, vous pourrez enfin rentrer. Donc ça, c'est le premier DLC. Il y aura un deuxième prévu dans quelques mois. Ok, on part depuis ici, donc... Lorsque Talion était au temple, nous saurons à Siritungal. Si je me trompe pas... la lumière... Ça va l'améliorer sûrement. Avec ses trois doigts, comment elle va combattre? En plus, c'est son bras droit. En gauche. Mais quand même... Ah, miracle. C'est bien d'avoir un anneau. Ça sauverait... Ouais, ça coûterait aussi une pagaille. Vraiment. Bah. C'est bien Cyrite, oui. Quelle sera ma mission? Ok, c'est une attaque spéciale et d'accord, B pour la lumière, j'ai que c'est. La lumière les amortit. Ta gueule, toi tu vas reprendre ainsi. Il m'a touché. 1, 2 et 3. T'aimes pas, hein? Quand t'es surchargé de lumière, ça fait mal. Y pour charger votre santé, d'accord? Ma lumière vous guérira. Eh ben. C'est long. Ça va être long pour apprendre la vie. Il va falloir être malin. C'est par là que je dois aller. On va regarder la carte. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors la menace morgue, on n'est pas si strict, c'est après alors. Qu'est-ce que je dois faire? Aveugler les orques. D'accord, avec la lumière, c'est contre un jaune, comme d'hab. On a des arcs et des flèches, c'est une bonne nouvelle. Ici, il y a des flèches, on va s'en rappeler. Ouais. Il neige dehors, ça caille. Alors, j'ai décidé d'alimenter ma chaîne YouTube. Ça faisait un moment que je ne faisais rien. Oui, enfin, je fais plein de choses, mais pas sur YouTube. On peut pas tomber dessus, lui. Qu'est-ce qu'on en fait? De toute façon, c'est les jaunes que je veux, aveugler. Bon, on va repasser en vue jolie. À quoi que c'est du mais bien utile des fois. Excusez-moi, mais. Bon, ils s'en foutent en fait de quel orque. Ou bien c'est vraiment. Il y en a partout de toute façon. Personne derrière. Ça a pas compté ça. Ça a pas compté, pas bien. Pas du tout. C'est ça? Ça fait 7? Bon, je pense que c'est ça. Hein. Rejoignez Talion dans la grande salle. Attends, il m'en reste 12. Il m'en reste 5 à aveugler. Il va par là. Tiens, celui-là, ils m'ont l'air idiot. À souhait. Coucou! Neuf. Ça marche toujours ce coup-là. Ah non, c'est pas, sont pas explosifs encore. On m'a vu. Ouais, je crois que. Merde, il est là. Ah,
Eh oui, je peux faire un truc pareil. La preuve. Voilà, j'ai fait tellement de trucs dans ces vies de gamer. J'ai eu tellement de différents. Voilà, Mordor. Alors, c'est Pidor que... Bon. Voyons par là, pourquoi il y a des points jaunes spécifiques à des orques alors qu'ils comptent tous pour la même chose? Les nuls, ils voient rien. Non, maintenant oui, mais... Ah que coucou, ça fait 12 sur 12. On y va. Ah si, ça marche quand même. C'est parfait. C'est doudou. Doudou à jamais. Voyons, voyons, voyons. Oh là là, pour voir Talion, il va falloir être un peu salaud. Tiens, toi. Toi aussi, parce que on en est là. Eh hey, merde! Je vais essayer de baiser vos mouilles, c'est ce que. C'est mieux pour moi, mais. Ah là là! Merde, toi! Vous! Attends, je vais faire ça. Ah, j'ai pas les lames, j'ai pas les mêmes attaques que Talion, hein! Je connais beaucoup moins, là! Lumière alphique, X plus A, carré et A et X pour PS. Donc, d'accord, carré et X. Ouais. D'accord, et maintenant, d'accord, ils sont tous. Ça va être facile. Ah, j'ai besoin de me soigner, j'avais complètement oublié qu'elle peut se soigner. Merde, ça l'a pris. Qu'il touche pas, ah, ça remonte, sinon ça foutrait mon histoire en l'air. Oust. Thank you.
Ah. Quand même. Il a changé. Il appartient au Seigneur des Il a Ténèbres. changé. Votre race sonnée, Nazgûl. Avec ce jeu, je veux me choper un tunnel carpien violent, quoi. Vous ne me tuerez pas deux fois. Ah non, je veux pas te tuer, moi. Je veux parler, hein, non. Vous auriez dû mourir. Quel est Brimbor ? J'ai joué de vous. Donne de moi. Elle est fort en plus. Hein. Enfin, j'étais fort. Oui. Ah d'accord, il a ce pouvoir-là. Il est passé encore. Pas mal. Ah là là. Je connais. Que je me soigne. On a que je l'évite. Oh là là, alors que ça remonte. Vous servez Sauron. Non, la terre du milieu. C'est pas vrai. Non. Salut. Bon, ça remonte un petit peu. J'ai plus de flèches. J'ai beau porter l'anneau des Ildur, je ne suis pas encore un Nazgûl. T'as compris? Non mais, oh. Arachné a vu l'avenir tel qu'il se produit. Elle a vu le grand œil sur Barad-dûr. Et aussi la nécessité
d'un contre-pouvoir. Et ? Vous êtes ce contre-pouvoir ? Non. Nous le sommes. J'ai pour mission de vous tuer. Mauvaise mission. Vous m'avez dit que face aux ténèbres, lutter peut être une victoire. Est-ce toujours le cas ? Je crois qu'il faut contenir le Mordor et les Nazgûl. Ce serait une bonne idée. Mais combien de temps est-ce que vous pourrez lutter avant de les rejoindre ? Je l'ignore. Raison de plus pour me suivre. Ouais. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Avons-nous le choix ? Pas trop. Bien. Après la chute du roi sorcier, une attaque a été lancée sur plusieurs forteresses. Mais par qui ? Ça, c'est ce qu'il nous faudra découvrir. Un pouvoir s'éteint, un autre s'éveille. C'est ainsi que va le Mordor. Pas possible. De rentrer dans un groupe d'amis, là maintenant il y en a un ami qui m'invite, mais je peux pas, vu que je Twitch en direct. Il attendra gentiment. Je vous expliquerai pourquoi, comment. Donc, on va faire quand même la première mission. Quelques petites missions là jusqu'à 18. C'est 17h30, une bonne demi-heure. On va voir un peu ce DLC, comment il est. Personnellement, je connais déjà un peu, hein. Mais je vais recommencer parce que le Upload Studio ne voulait pas mettre ma vidéo avec le son calé sur l'image. Bravo, bravo Upload Studio, mise à jour ratée sur Xbox One. Si j'ouvre le contexte, est-ce que je peux envoyer une conversation ? Cinq minutes, non, voire une demi-heure, je Twitch. Ouais, je vous ai pas perdu, ne vous inquiétez pas. S'il y a eu un chat, enfin, le miaou, c'était le temps d'envoyer un message à quelqu'un. Ce ne sont pas les gueules qui me tracassent. Monseigneur, les autres forts essuient des attaques, préparons-nous. Ça tombe vraiment très mal. En cas d'attaque, on est fichu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Azranz est parti il y a une semaine venger son frère de sang, avec tous ses drakes. On est sans nouvelles depuis hier, Trak. S'est fait empoisonner. Il a accusé Harissou, qui a nié être impliqué, mais... Quel bon divorce. Perturbé par le poison, l'a poignardé. Il est mort... vidé. C'est un miracle que vous soyez encore capable de tenir ce fort. Nous ne le tiendrons plus du tout sans renfort. Oh, je connais des orques qui pourraient nous fournir les défenses nécessaires. Ah ouais. Ils sont... uniques. Très bien. On m'attend à la forteresse de Cerregost. Cerregost ? Maintenant, c'est vous qui portez l'anneau. Hors de question que je domine ces orques. Mais si. Mais je les ramènerai. Pas d'intérêt. J'ai intérêt. Bon. Je ne vais pas m'ennuyer. Tu l'as dit. Donc, des guerres perpétuelles, c'est un nouveau jeu, ou bien il y a des talions à reconquérir des forteresses, ces forteresses. Vous pourrez recruter les alliés de la patrie contre les sombres. Certains arts rejoindront, certains autres non sûrement, ça aurait manqué. Bon bref, pas mort d'or, des tribus, histoire principale. Ok. Alors, triompher des capitaines, qu'est-ce que... Ah, attendez, je vais la laisser parler. Davantage dans les ténèbres. Vous m'avez envoyé les Nazgûl.
Je ferai le nécessaire quand le moment sera venu. Grand chose à dire, voyons un peu mon inventaire. Dans les quêtes, par exemple. Est-ce que j'en ai une ici à Sirut ? Oui. Où elle est ? En bas. Je la vois clignoter en bas de l'écran. Tant que je me roule cette clope. Enfin, je sais pas si vous allez patienter autant. Même si c'est un peu long. Un orque qui bâtit au lieu de détruire. C'est rare, hein. L'or réserve bien des surprises. Ouais. Bon. Je devrais leur faire péter les boissons, là. Ça suffit de boire le. De boire, tout le temps, de boire. Tu vas pas m'attaquer quand même. Bon, j'y vais. Si vous avez 3 secondes. Bon, j'avance, je fais ce que je peux. Bon, je vais trouver la solution, on va faire comme ça. Et comme ça. Hop là, c'est parti. Rapide, hein. Bon. C'est con. Ça va pas être moi, hein. Ouais. Aussi. Bon, bref. Alors. Non, ce serait méchant. Stupide alors qu'il faut faire mieux. Lumière, oh lumière, éclairement. Oh non, ça vaut même pas le coup. J'ai pas le temps de me battre avec vous, les mecs. Vous êtes bien gentils, mec. Adios. Essayez donc. Pas le temps de planter la tienne. En voilà une d'aptitude. Alors qu'est-ce qu'on a comme aptitude ? On a les aptitudes de combat et la distance nettement moins qu'avec ta lion. Distance, par exemple. Ça, bof. C'est quoi cette amélioration de la bulle? Ah bah la bulle est la plus grande, ok. Et ça c'est bouclier. Qu'est-ce qui se passe? Lumière plus résistance protégée avec rien. La tech de soleil ennemi. Résistance soigne les alliés et imprègne les ennemis proches de la lumière. Mais on a encore un montrement au cinéma. Tic. Ouais, j'hésite entre ça. Et la bulle, ça c'est quoi? Tirer, puis sur B pour protéger la lumière de la cible plus proche, l'extension de ça, je peux la prendre direct normalement ou pas? Ouais, bon c'est pas ça que je veux. On va prendre la bulle, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est vrai que celui-là. Ouais, c'est ça, mais. Est-ce que ça, je peux l'améliorer? Non. C'est la bulle. Protéger une histoire lumineuse qui soigne, alliés et imprègne les ennemis aussi. Ça me paraît pas trop mal, tout ça. On va prendre ça. Voilà. Bon, on continue. Bon, tu disparais là, c'est bon. Hein. D'accord, c'est pratique. C'est qui lui? Bon, ma première cible.
Monsieur. Il paraît qu'un racné s'accroche. À mon avis, il n'y a jamais rien eu. À sa recherche! Kaboom! Je suis pas content. Tu es exactement comme je l'avais imaginé. Il y a de l'imagination. Saleté de magie elfique. Ils sont bêtes. Oh là là, maintenant il m'emmerde là. Fous-moi la paix, vilain Caragor, méchant chien. Ça marche avec eux? Ou okay, avec les orques? Ça marche pas avec eux. Bon, ok. Herbe, avec lui. Ça leur fait rien du tout, rien. Bon d'accord, attends. Je serai lourd au bleu. Alors, j'ai droit à des renseignements. Voyons un peu cette armée qu'on m'inflige ici. Minas Morgul. Lui ici. Bah cette fois-ci. Deviens stupide devant un Caragor. Attaque d'un Caragor. D'accord. Et puis, peut-être blessé par les abrutis de lumière. Ok. On a tout. Sauf moi qui finalise. Voilà, donc je suis prêt à repartir. Ok, et le Caragor, lui, m'a été suivi. Non. Si des araignées étaient attrapées, j'en répondrais leur triple. Ah oui. Des araignées. Il me semble que Arachné. Ah non, mais elle est pas morte dans le premier volet, c'est ça qui est bizarre. Ah, il est encore là, lui. Bon, d'accord. On va aller voir ailleurs sur mieux.
Ciao, baby. Oh là là, le salopard, le vilain Caragor. La merde. Oh non, ça va être trop bête. Ah non, ça va. Merde. Tiens, maintenant c'est bon. Allez. Attaque. Ah, mais il a rien là. Il a pas des attaques là. C'est ridicule. Ah, je vais les recommencer, ça fait drôle. Ah, ça où ces flèches. J'ai pas de flèches par là. Nulle part. La tour. Merde. Là. Bah, je suis dessus, non? Ah non, ils ont disparu. Bah, je les ai prises avant. Oui. Bon, on y retourne. Alors maintenant, il y a un emblème sur les quêtes. C'était où que je devais aller? Par là. Qui bâtit au lieu de détruire, le Mordor réserve bien des surprises. Oui, des mauvaises surtout. C'est ici, hein. Allez, la première quête commence. Il va bien nous dire ce que c'est, j'avais pas besoin de dire. Tenez-vous prêts. Les bestioles vont débarquer. Voilà le Remios. Si vous sauvez suffisamment d'ouvriers, vous entrerez dans ces bonnes grâces. Sauvez de quoi? Gulle, les tringules. Les gueules. Ok. Vous alliez ? Ah, j'ai entendu parler de mon travail. Il faut protéger mes ouvriers. La palière. Merde, j'avais pas pensé. Hein ? Sur terrain. Lol. Qui admire le travail que j'accomplis. Ben oui. Ah non, pas encore, Bien que la plus grande prouesse architecturale de tout le Mordor, la première du genre. Une forteresse souterraine, invulnérable à toutes les formes d'attaque. Quand on aura chassé ces saletés de gueules, t'es avec moi. Oui, je suis là. Bien les belles là. Pas des flèches. Disons le que je ne suis pas contre. Préparez-vous pour une nouvelle moisson de gueule, les gars. Ah, c'est comme ça qu'il fait sortir. Ok. Ah, il sort là en plus. Le puits il est là, donc c'est parfait. Oh non,
Ça va pas lui plaire. Il me manque un, c'est tout, un stupide. Give, il est au centre. Juste sous nos pieds se trouve une superbe garnison. Super. Des voûtes de toute beauté. Des centaines de morts pour les construire. Bah, il fait quoi là? On peut savoir où il va. Il a l'air perdu sur son propre terrain. En ce moment, on est au-dessus de. D'accord. La cour principale de la fortance. Ok, ici, c'est fait. 30 sur 30, il y aura sûrement d'autres, je vous dis pas toi. Ah, ils sont fait avoir. Voilà. Et voilà. Chef-d'œuvre, elfe, dédié à la gloire des orques, au Mordor lui-même. Impressionnant, en effet. Tu t'es montré efficace, et comme j'ai plus d'archers, j'aurai besoin de protection. Je paye pas beaucoup, mais tu vas te couvrir de gloire avec moi. Je te prends à mon service. Je ne te décevrai pas. Ok, ok, alors... Pour la plupart. Certes, il manque de modestie, mais pas de force. Espérons-le. On me confie une épée et je leur mens. Bon, point d'aptitude cette fois-ci, on va regarder en haut. Qu'est-ce qu'on a donné? Lumière persistante protégée, l'attaque ennemie. Ouais. Les persistantes soignent les alliés et après, ça c'est bon. Ça soigne et c'est un prêt. C'est une attaque défense. Bon, il y a quelque chose d'autre ici. Encore une. D'accord. Sur la carte, il n'y aurait pas une tour à débloquer par hasard. C'est qui celui-là? Allez voir. Celui-ci sert à Arachne. Soyez prudent. J'ai déjà eu affaire à elle. Je ne la crains pas. Ah bon. Moi oui. On sait jamais avec elle. J'aime pas les amis déjà. Hein. Ah!
Oh là 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 là. Bon, il est où ce crâne là? Il est là, mais c'est quoi? Un 10? Chercher le crâne de maître. Il est selon toi, ouais, il est là. Voilà. Voyons si ça sort les araignées toujours. Ah, je suis un drôle de bruit d'arc, elfique. Ah, ah oui, ça sort, j'avais pas la vision aussi. Allez, qu'est-ce que là? Hop, ça pue. Elle supporte. Même à pleine puissance. Hallucinant. Costaud les araignées. D'ailleurs, les scorpions résistent même aux radiations nucléaires d'une bombe atomique. Ce sont les seuls, je crois. Les araignées. Il a des points à donner. Merci à Ruby. J'aurais dû en prendre plus d'ailleurs. C'est vrai qu'avant on n'en a pas proposé. Je me ferai un plaisir de les nettoyer à coups de langue. Bah avant tu vas attendre mon gars parce que franchement j'ai autre chose à faire. Je dois soigner. Oh merde, c'est Caragor. Non, merde. Yeah.
Ok, ça c'est fait. Maintenant. Celui-ci sert Arachné. Soyez prudente. J'ai déjà eu affaire à elle. Je ne la crains pas. Ah, des flèches, j'en ai besoin. Vite faire ça, au moins que je place quelque chose. Je peux en forger une ici que je vais mettre ici, une ici là, une là pour le moment. Voilà. C'est toujours ça. On a bien joué d'ailleurs. Oui, non, non. D'accord. Pourtant, il n'y en avait pas beaucoup, mais. Non. On va voir ça. Alors, là, c'est un sorcier, un mystériologue. Ayant des liens avec un grand pouvoir du Haut-Mordor, l'attribut de la machine est activé dans cette zone. Bon, on va voir ça. Elles savent quel pouvoir tu détiens. Ma maîtresse sent la piqûre de sa lumière. Elle a dit que tu viendrais me voir. Tu n'as rien à craindre, Kirmizold. Je suis Ar-Baruk, et je viens te proposer mon soutien. Et que me coûtera cette offre généreuse? Des fous adeptes de la machine empiètent sur le domaine de ma maîtresse. Chasse-les donc. Entendu. Les machines ont besoin de minerais, mais ma maîtresse repose sous leurs pieds. Tue-les, afin qu'ils cessent de creuser par ici. Ça me paraît clair. Il commence. Non, je vais laisser le fond commencer. Tranquille, hein. On a le temps. Regarde comment il se voit un peu celui-là. Ouais. Bon, soit je vais lui prêter main forte, hein, je vais être en dessous. Donc, triompher des gardes. Utiliser des fouilles. J'ai des arcs, j'ai des flèches, surtout des flèches. Allez, hop. À moi, je suis là. Je suis désolé. J'ai vu des flèches. Non, là, oui. Bon, ils sont où? Il n'y en a pas un peu plus par là, par là. Bon, parfait. Il est mort. Bah vite, c'est lui qui va tous les buter si je crois que c'est.
Non. Pas ça. Attaquer ce campement tête baissée serait trop risqué. Je ne souhaite pas sacrifier ces merveilleux enfants si ce n'est pas nécessaire. Vas-y d'abord. Je ne t'aiderai qu'en cas de besoin. Attention, il y a trois capitaines qui gardent cette zone. Méfie-toi d'eux. Tuez les araignées! Oh oh. Il a fallu un temps fou pour mettre ce site en route. J'ai plus qu'à trouver de nouveaux gardes et des ouvriers. Mais d'abord, je vais te tuer. N'allons pas trop vite. Je tiens à ce que ça fasse mal. J'aime pas quand on parle. J'aime quand ça crie. J'espère qu'il va venir. Ouais, je crois qu'il vient m'aider quand même. Bon, si je m'en sors, je m'en sors. Donc je vais me soigner vite là maintenant. J'ai pas vraiment le choix, si je puis dire. On des flèches aussi. Attends, ça remonte un peu, mais. Encore ? Bah mince ! C'est stupide ça. J'ai pensé que ça se soignait, mais il faut pas prendre de coups, ça stoppe, effectivement, il faut attendre. Mais attendre, je pensais que ça allait me faire perdre la mission. Vaut mieux attendre, j'imagine que c'est la solution. J'en doute pas. Tant qu'il recharge la mission, voilà. Bon, au début c'était ça. On avait dit simple. Elles savent quel pouvoir tu détiens. Ma maîtresse sent la piqûre de sa. C'est du live, hein. Je ferai pas la coupure, tant pis. Bon, ok. Tu n'as rien à craindre, Kirmizold. Je suis Arbaruk. Et je viens te proposer mon soutien. Et que me coûtera cette offre généreuse? Des fous adeptes de la machine empiètent sur le domaine de ma maîtresse. Chassez donc. Leurs machines ont besoin de minerais. Mais ma maîtresse repose sous leurs pieds. Tue-les! Afin qu'ils cessent de creuser par ici. Cette saleté d'elle! Ces précieux enfants t'aideront! On va te réduire en sortie! Écoute!
c'est ce qu'elle avait fait, Là, y en a. C'est bon. C'est pas grave. C'est le plan. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai paumé la route, il va me la montrer alors. 3 sur 15. Orc avec des araignées ensemble. Si un orc sur. Une araignée plutôt sur un orc. C'est cela. Bon. On va où? Attaquer ce campement en tête baissée serait trop risqué. Je ne souhaite pas sacrifier ces merveilleux enfants si ce n'est pas nécessaire. Vas-y d'abord. Je ne t'aiderai qu'en cas de besoin. Attention, il y a 3 personnes qui gardent cette zone. Méfie-toi d'eux. Il a fait un grand fou pour mettre ce site en route. J'ai plus qu'à trouver de nouveaux gardes et des ouvriers. Mais d'abord, je vais te tuer. D'abord, je veux savoir qui tu es. Alors, vulnérable aux attaques lumière. D'accord, temporairement hébété. Je vais pas. Putain, ça blesse. Si. N'allons pas trop vite. Je tiens à ce que ça fasse. Salut. Port exécution. Dégâts lumière. J'aime pas quand on parle. J'aime quand ça crie. Oh, bon, d'accord. Subissez le coup venimeux de ma maîtresse et de sa progéniture. Cette lumière est mortelle. Ça va falloir barrer mes coups plus vite que ça. Ne vous arrêtez pas. On n'a jamais fini. J'ai attendu ce moment. Yeah, encore. Bien, c'est fait ça. Ça fait un. De mon côté. Ça va. Non, lui. Ah ça, des violets direct. C'est un bon loot. Je pouvais pas les capturer.
Aïe. Ah non. Bon, ben voilà, maintenant je vais le soigner et on va faire le troisième, s'il y a encore rien. Non, c'est fini. Comment ai-je pu douter de ma maîtresse? Tu as respecté ta part du marché. Je te suivrai tant qu'elle ne m'en dissuadera pas. Dévouement envers Arachné est remarquable. Je me demande quel sort elle lui réserve, une fois qu'il ne lui sera plus utile. Miam miam. Bon. La vache. Comment c'est fait ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi ce que tu vois ! Aïe, aïe, oui. Nickel. Bon, ils ont fait un DLC sympa, y'a rien à dire. Pour le moment. Ce qu'on va faire maintenant, on va les forger. On va voir combien on en a en tout alors. Non, quel idiot. C'est. Armée, c'est armée. C'est perso. Bon, déjà, on va prendre une XP. Enfin, ou en plus, un mirage sur l'intensité de la lumière.
cible, rien n'est plus de lumière. Rien de lumière atteint d'autres cibles approches. Bon, je sais pas. C'est rapide. Mais t'es. Une arme en plus. Bon, inventaire. Personne. Non. Bon. Dévorier encore. Ah oui, encore. Soigne les alliés proches. Il me semblait que... Non, il me semblait pas alors. Alors... Une tour encore que j'ai pas ouverte, si là, mais... Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a... Oh, mais tu veux ça? Si. De toute façon, je dois équiper normalement. Il n'y avait pas un autre. Je crois qu'ils sont avec moi. On y va. La guêpe peut triompher de la guêpe. D'accord, on va voir ça. C'est qui? C'est son nom. L'araignée a rappelé Hitz les grottes. Elle vit depuis longtemps, mais elle n'est pas invulnérable. Et je compte le prouver très bientôt. Attends, que je te donne un avant-goût. Ça commence pas bien pour les flèches. Ne laissez pas vous éliminer! Non, mais autrement. Comme ça, peut-être. Bon, voilà. Adios, la guêpe. Une mission de plus à mon compteur. Et c'est ainsi que se termine cette diffusion de la partie 1 du DLC du L'Ombre de la Guerre. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je kiffe. J'aime bien ce jeu.
et je continuerai en Twitchant la suite. Merci d'avoir suivi, bye bye à tous les followers, big up à la team 4D. Ciao ciao, c'était Cartmine, bye.